ce drôle de bruit dans les rues du Vieux Mans, c'est celui de Doupette de Lucé, une jument percheronne de 9 ans qui débute sa tournée hebdomadaire. Depuis le début d'année, elle vient ici chaque mardi matin collecter les déchets recyclables. Il faut des chevaux qui soient quand même endurants parce que la tournée fait... Enfin, il y a quand même le travail, il ne faut pas oublier que c'est un vrai travail, donc il faut de l'endurance. Et puis beaucoup de calme et de sang-froid. Voilà, il faut que la jument soit capable d'attendre en toute situation, qu'elle reste calme et posée et qu'elle ait confiance en nous également. Dans ce quartier aux ruelles étroites, l'accès est difficile pour les camions bennes classiques. L'hippomobile, elle, se fraye bien plus facilement un chemin dans ce quartier historique. Pour le plus grand plaisir des manceaux. C'est super, en tout cas, ça fait du bien de voir un animal dans les rues du Vieux Mans. Ça fait moins de pollution déjà. Ça évite les camions de venir par ici. Puis je sais pas, c'est sympa quoi. Du côté de la municipalité, la démarche se veut avant tout éco-responsable et incitative. Il y a un rapport de l'animal branchement avec les gens qui apporte le plus et qui incite plus encore à faire trier comme ça et à ramasser le tri sélectif. La tournée est prévue pour durer 2 heures, mais en fait c'est bien plus. Christine doit s'arrêter souvent pour répondre à toutes les attentions que suscite Doupette. La semaine dernière, par exemple, il y a un monsieur qui avait, enfin un couple, en tout cas une famille, qui avait laissé une carotte sur le sac pour la jument, donc ça fait plaisir, voilà. Et puis les gens, ils remercient la jument en passant, ils lui disent bonjour. Le cheval est un vrai lien social. Il faudra s'habituer au bruit des chevaux au Mans. La mairie étudie déjà l'extension de ce mode de collecte à d'autres quartiers du centre-ville.